Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre et à la miniature. Je kiffe faire ce genre de vidéo, aujourd'hui je suis dans un bon mood, alors aujourd'hui on va passer un bon moment. J'espère que vous aussi. On est le 14 septembre, il est 10h tout pile, tout rond à ma montre. Et aujourd'hui les mecs, on s'en va faire encore une épreuve de bac. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu de vacances frérot, que là c'était le bac. Bref, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que votre rentrée s'est bien passée les mecs. Si votre rentrée s'est bien passée, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et surtout, dans quelle classe vous êtes rentré, quelle section. Bah la question c'est, est-ce que vous êtes avec vos potes les mecs. C'est ça que tout le monde veut savoir. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Parce que vous savez, on est bientôt 20 000. Ça me fait super plaisir. Bon certes, je poste pas des photos tous les jours. J'essaye d'en poster une par semaine. Mais là, je vais essayer d'en poster un petit peu plus. Ça me saoule, j'ai en train de parler. Il y a de la buée qui est en train de rentrer dans mon casque. C'est assez embêtant. Voilà. Donc là, on est tipar les mecs. On va en cours. Bah on va en cours, c'est vite dit hein. On va faire un petit examen, un oral du bac. Ouais, j'ai un oral du bac en septembre. Une semaine après la rentrée, t'as capté. On va essayer de pas se prendre des détritus frérot par le mec de devant. Je vais me prendre une cage à poule ou je sais pas ce que c'est frérot. Ah non, c'est pas pour ronger les bouteilles ça. Putain, le mec derrière frérot, il est chaud patate ce matin, waouh. Ah il est chaud mon gars, il est derrière, vous le voyez dans le rétro là, il est derrière. En même temps, il roule pas vite le collègue hein. Il pourrait rouler un petit peu plus vite. C'est bon, il s'en va, il est libéré le Ray. Bon moi je me retrouve avec lui, j'aimerais bien le dépasser, je vais pas te mentir. Allez frérot, laisse-moi. Il y a du monde. Non en vrai ça va, il y a pas énormément de monde. Bon allez frérot. Ah oui il accère que dalle. Oh non il tourne aussi. Bon tu sais quoi. Voilà, la situation, on est libéré de cette situation. Toujours grâce à la folle derby frérot. Voilà, ah, carré, grâce à cette puissance moteur, cette incroyable force surhumaine que délivrent ces 44 chevaux. Ça vous plaît les vidéos où je vais au lycée. Et au moins moi ça me permet que ça passe un peu plus rapidement. Tu vois je fais une vidéo, je parle, c'est drôle, on s'amuse. Tu vois c'est cool, il y a un échange. Je me retrouve pas là tout seul à déprimer frère. Bon je vais pas vous mentir, l'oral c'est aujourd'hui. Et je l'ai préparé ce matin. Il est 10h, je me suis levé à 8h. Bon j'ai eu 2h de préparation et encore. Bon est-ce que je peux y aller? Bien sûr que je peux y aller. Hop. On s'en va sur la ligne droite du circuit. Le Paul Ricard à 10h du mat en 50cc. Ça va, j'ai de la chance. Ils avaient dit qu'il allait pleuvoir, il pleut pas, j'ai de la chance. Y'a pas trop de monde ce matin, bon ça va, après il est 10h, hein. Le monde, c'est pas à cette heure là, je suis obligé de tenir le rétro frérot, sinon il s'en va. Ah bah lui je crois qu'il part à la PEC frérot. Garde-le, petite retraite, il part à la PEC, oh là là, il est calé. Nah, y'en a ils vont passer les euros, y'en a ils vont passer la pêche. On a pas tous les mêmes activités hein. Le mec derrière, il est chaud patate pour me dépasser mon ref. Ah mais il est chaud patate avec le kangou derrière hein. Ils sont pressés le matin. Alors ce rond-point les mecs, je vais avoir besoin de vous. Ouais ça fait je sais pas combien de temps que j'ai le permis moto. Moto entre guillemets. Position sur ce rond-point frérot. Bah ouais non, normalement je dois me mettre à l'intérieur. Mais vas-y si je me mets à l'intérieur, j'ai trop peur de me faire faucher à la sortie là-bas. Donc on va rester à l'extérieur. Ah ouais Gan, il va jamais pouvoir s'engager le collègue. Vas-y. Ouais non. J'aurais pu. Vous allez me dire, regardez, je me mets là. Ah non, je devrais me mettre à l'intérieur. Bah non, c'est un giratoire, hein. C'est à l'intérieur qu'il faut se mettre. Bah non, j'en sais rien. Bon, vous allez me dire, les mecs. Première étape, se débarrasser du camion. Et après, on verra. C'est toujours un bonheur d'y aller en moto. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de soleil, mais j'espère on va pas se taper toute la meuf. Regarder sur son canapé là. Je prends l'aspiration du camion. Les mecs, si vous êtes chaud patate, à 3000 pouces bleus, parce que vas-y, 3000 c'est le chiffre fétiche, et bah je repars au lycée en bécane. Attends, il va où lui? Voilà. Attends, elle tourne à gauche, mais elle se met là. C'est vert, hein.
ce rétro qui tient pas, c'est l'enfer. Faut peut-être que je remette un coup de vis, ouais. Ah ouais, lui, il y va. Casse la démarche comme McGregor. Casse la démarche comme McGregor. On va faire gaffe au petit radar, là. Ça serait con de se faire flasher en 50. Encore, tu te fais flash en gros cube, ouais. Frérot, tu te fais flash en 50. Arrête tes conneries, arrête de déconner, frérot. Voilà, je peux même passer à 60, il me flashera pas avec le décalage, je pense. En tout cas, grosse force à tous ceux qui travaillent dans le bâtiment. Hein. Là encore, c'était l'été, tu vois, en fait, travailler dans le bâtiment, je pense que ton temps parfait, c'est pas de vent. Non, en vrai, qu'il fasse pas trop chaud, pas trop froid et qu'il y ait un petit peu de vent s'il fait trop chaud. Parce qu'en fait, s'il fait trop chaud, tu peux pas taffer. S'il fait trop froid, bah c'est trop relou. S'il pleut, c'est horrible. S'il neige, c'est encore pire. Je lui mets des coups de. Ok, il va passer vert, regardez. Je vous le dis, il passe vert, c'est bon ou pas? Moi, je vous le dis, je pose pas un pied à terre. Vous avez vu mes petites chaussures? J'ai protégé. Ah, je crois que c'est un mauvais bail de faire une vidéo qu'un chewing-gum. Je dois vous faire de l'ASMR depuis le début. C'est bon, dépassement réussi, les mecs. Les musiques TikTok, frère, elle me matrix. Ah là 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 là. Non, en fait, je pense que c'est pas le thème non plus de chanter ça. Ouah, il est tuning. T'as vu le temps, t'as pas vu l'autant. Mais t'inquiète, j'ai plus le temps. Et allez, on retrouve le parc auto, les mecs. Si jamais ça vous avait manqué, on va aller voir les petites nouveautés durant ces vacances. Qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté de beau dans ce parc auto? Pour ceux qui ont déjà regardé mes anciennes vidéos au lycée, alors ici, il y a de tout. Hein. Allez, vas-y, là, quand tu vois que l'essence, il est 2 centimes moins cher ici que là où je viens de le mettre ce matin. Là, et pire, c'est ceux qui pilent au feu orange. Genre vraiment, mais au dernier moment. Wesh, ils se battent dans la voiture. La vérité, ils se battent. J'espère qu'ils rigolent, hein. Parce que s'ils sont vraiment en train de se battre, c'est chelou un peu. Oh là là, oh non, faut pas montrer ça, frère. Bon, après, il est 10h, ça va, j'ai pas trop faim. Mais quand je vais rentrer, je vais voir ça, frérot. Wesh, mais attends, mais non, en fait, ils s'embrouillent vraiment. Ah non, en fait, ils s'embrouillent vraiment. La vie de ma mère, ils s'embrouillent vraiment. Ah ouais, non, ils s'embrouillent vraiment. T'assistes à ce genre de scène, en vrai t'es mal à l'aise. Encore ça, tu vois, c'est pas une femme, elle se fait frapper. T'es pas là, je descends de la 50, le mec je lui roule dessus. Le justicier, mon ref, avec mes 1m60, c'est là que le stress va commencer à monter. En plus, je crois que c'est les pires conditions pour passer à l'oral, les refs. Je vous jure, on passe à l'oral. Mais en gros, dans notre salle, il y a genre 4 personnes qui passent en même temps. Alors vraiment, c'est toutes les conditions pour te déstabiliser. Vous l'entendez, la derby là sous le pont là? Maman. Eh, petite auto-école. Avec une A1. Oh là là. Ouh. Shifumi. J'ai gagné. Je t'abonne. J'adore faire ce jeu avec vous parce que je sais que je vous bats tout le temps en fait. Oh, vas-y frère, ça avance pas. Il y a que des feux ici. Ah ouais, ça c'est une C à tuner, frérot. Non mais allez, arrêtez là. Vous trollez. Regardez comment elle est toute mignonne cette auto-école. Oh, oh le pied. Oh, elle fait me casser la jambe. Ouais, vas-y. Oh, le comportement du motard là. N'importe quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et on rentre dans le cul de la Twingo, frérot. Non, là t'abuses, là tu forces. Non, là tu forces, vraiment là tu forces. Bon, les mecs, on se retrouve. De toute façon, là je vais bientôt arriver. On va se retrouver direct, on fera un petit débrief. Si vous avez eu des euros, bah dites-moi comment vous ça s'est passé. Ah, frère, mais il y a combien de priorités ici? Allez, on chauffe, chaud patate, petit oral. Ouais, on va essayer de pas écraser Ginette, ça serait quand même dommage. Tous ces étudiants, ces jeunes étudiants fougueux, frérot. Qu'est-ce que ça aime pas manquer de venir ici? Mais pas manquer, mais du tout, hein. Vraiment, moi je suis le seul, je viens sans sac. Je sais même pas si j'ai ma carte d'accès. Au pire, si j'en ai pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça sera un peu dommage, ma foi, mais bon. C'est la vie, hein. Boum, boum. Skididi, boum, boum. Perfect.
ça serait con d'oublier ça quand même. Frérot, tu roules avec les pieds sur le frein ou c'est moi? Bon les mecs, voilà, on vient de sortir de cette épreuve, frérot. Bon, ça va, en vrai ça va. Après, tu vois, faut pas porter l'œil, donc on dit rien et on attend le résultat. Si vous voulez le résultat, les mecs, de toute façon, tous mes résultats, je vous les mets sur Insta, donc venez direct sur Insta, frérot, vous allez tout voir. Full transparent, que de la transparence. Non, non, non. Est-ce que je vous ai dit de mettre un pouce bleu et de vous abonner les mecs? Ça va? Regardez comment vous êtes beaux gosses là. Vous avez vu le petit polo et tout? Faut bien faire les choses les mecs. Ah, y'a de l'air quand on roule. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, bien. Ça s'est bien passé. Bon après tu sais, souvent tu veux dire des choses, mais bon tu peux pas tout dire. Tu perds les choses. En plus, moi, j'ai voulu faire les choses en... me compliquer les choses moi-même, frérot. Moi, je me suis dit, tu sais quoi, les gens, ils prennent des notes et tout. Tu sais quoi, moi, j'y vais sans notes. One life. Pas parce que j'ai pas envie d'en faire, parce que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, frérot, autant faire le défi à 100%. Pas de notes, rien. On va voir si j'ai les capacités. Donc, voilà. Oh, la bécane. Moi, je vais vous faire la même vidéo, les mecs, en scooter de Minos. Ça va être excellent. On va faire la course avec une petite serre là, mon ref. Vas-y. Ah ouais, elle a pris son stop, mon ref. Bon, là, on va se rentrer. Enfin, ouais, non. Allez, un bordel, frérot. C'est beau, ces petits culs, deux petits Q3, là. Ces bons petits culs, là. Ah ouais, tranquillou pilou, lui. Lui, je le croise dans le centre et il arrive à aller plus vite que moi. Putain, les gros cubes, c'est vraiment incroyable, hein. Putain, c'est tellement mieux. Avec mon petit cube là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, Renault, ils ont fait des trucs comme ça. En rétrograde, on va faire bien le kéké. Les mecs, j'avais une question, la visière teintée. Alors, je sais que les visières Iridium et tout, c'est interdit sur voie publique, mais est-ce que visière teintée, c'est interdit aussi? Oh, un Taycan. Oh là là là, beau, il est beau et merde. T'imagines frérot, ta meuf, elle a aussi une moto, t'imagines? Tous les deux, vous allez au lycée, meuf et mec, ensemble. Ça serait insane ça vrai. Avec des intercoms et tout, ça serait délire. Oh, elle fume. Elle me met une avance hein. Putain, elle bombarde sa mère, hein. Je suis à 90 derrière, je la suis pas. Elle bombarde mamie. Tu m'étonnes qu'elle fume noire la 307. Attends, c'est quoi ça? C'est une R6 bâtard. Oh sa mère. Oh elle est trop jolie. Oh les R6 c'est vraiment notre délire. Attends, c'est marqué quoi? Allez le Racing Club de Lens. Lens, Lens. Il y en a qui suivent un peu le foot les mecs. Je sais pas quand la vidéo elle sortira, mais la prochaine rencontre c'est Lens-Lille. C'est pas des lol hein. Les mecs, si vous voulez voir des trucs en 50 sur la chaîne, genre des trucs spécifiques, des vidéos que j'ai jamais faites, bah vous me les mettez dans les coms, juste en dessous. Tu me dis ouais Léo, fais ça comme vidéo. Et moi frérot, je te fais ça. Bah alors ça aussi, c'est génial, on adore. Pour avoir ce comportement de merde effréné là devant. Oh, on adore, on adore. Et il fait quoi frère? Reste droit, arrête d'être tourné. Putain, il est passé par là, il a pris l'intérieur. Oh quel malin lui. Les mecs, dites moi si vous kiffez les petites vidéos où je vais au lycée. Ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je vais changer de trajet pour pas que ça soit toujours la même fois. Et j'irai avec des potes, tu vois, ça sera bien. La backlife au lycée, t'as capté? Mais en vrai, si vous kiffez, bah vous me dites ça en commentaire en mettant les pouces bleus. Ah ouais, il est chaud patate. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit.